Les militaires radiés et les policiers révoqués à la suite des mutineries de 2011 au Burkina Faso sont satisfaits de la décision du gouvernement de les réintégrer. Ils se disent prêts à servir la nation, peu importe l'endroit où ils seraient affectés. Une de nos équipes est allée les rencontrer ce jeudi. Réaction avec Frédéric Etienne Bassenga. Le Conseil des ministres du 3 juillet dernier marquait son accord pour les propositions formulées par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale afin de permettre la réinsertion sociale des militaires radiés et fonctionnaires de police révoqués suite aux événements de 2011. Au lendemain de cette nouvelle donne dans leur situation, militaires radiés et policiers révoqués saluent l'initiative en attendant de savoir le contenu de ces propositions. Nous respectons leur décision. Parce que c'est le résultat que nous attendons depuis fort longtemps. Ben, nous ne pouvons pas quand même nous prononcer beaucoup parce que nous n'avons pas d'abord le contenu de ce rapport proposé par le HCRUN. Sinon, c'est déjà un pas, c'est un sentiment de joie. Nous ne pouvons que saluer. Pour eux, réintégration, réinsertion, peu importe, c'est servir la nation qui les préoccupe. Si le gouvernement trouve que nous, il peut nous amener ailleurs, il n'y a pas de problème, nous on va travailler. S'il nous amène dans l'armée aussi, on va travailler comme il faut. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes tous des Burkinabés, donc on est prêt vraiment à donner le meilleur de nous et pour construire ce pays-là. 2011-2019, 8 ans qu'ils luttent, policiers révoqués et militaires radiés espèrent que cette mesure sera rapidement mise en œuvre.